Bonjour, ici Marie-Laure avec vous pour vous proposer un cours à peu près d'une demi-heure ce matin pour option bikini. Oui, l'été arrive, alors on va travailler quoi? On va travailler les fessiers pour avoir des fessiers en béton, des belles cuisses, des beaux fessiers bien liftés, bien gainés, on y va. On va travailler un petit peu en rythme rapide. On commence juste rapidement avec une respiration, les mains sur les côtes. Inspire, gonfle tes côtes sur le côté. Expire, resserre ta cage thoracique. Encore. Commence à engager ton centre, ton périnée. Étire ta colonne vertébrale vers le plafond. Encore deux fois. Ok, relâche les mains et on va faire trois roll down. Engage tes abdos, genoux fléchis, inspire et déroule la colonne. Ça se passe d'abord par la tête, haut du dos, milieu du dos. Engage tes abdos et déroule le dos. Relâche le dos, les bras, la nuque, la tête et descends là où ta souplesse le permet. Inspire et expire. Engage abdos, remonte vertèbre après vertèbre. Inspire et expire à nouveau. Reste, inspire et expire, remonte. Encore, inspire et expire. Reste, inspire et expire. Ok, et maintenant on attaque direct, objectif bikini. Je me place en parallèle. Donc on a les genoux fléchis, les pieds en parallèle, largeur du bassin. Le bassin regarde bien devant soi. On est ici, on va mettre les mains devant et là on va passer la jambe derrière tendue, inspire, garde bien ton centre engagé et ensuite devant, tendu également, mais en pied flex. Et on y va, on en fait 10. Donc, on commence ici d'abord, genou fléchi et inspire, 1, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et reste ici, penche un petit peu en avant. Et étire ton dos, dos plat, engage à dos, étire la nuque. Et inspire, expire et reste. Et là, on étire tout le haut de la cuisse et les ischio-jambiers et le haut des fesses. Inspire, expire et reviens. Fléchis ta jambe et on commence avec l'autre côté. Ramène ici le pied gauche en demi-pointe. Engage tes abdos, garde bien les hanches en face de toi. Et on commence. Et jambes tendues derrière et jambes tendues devant avec pied flex. On y va 10 fois. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et reste ici devant. Et ramène les mains si tu veux là au bassin, engage tes abdos, étire le dos, étire le fessier, reste, tu peux tendre les mains et on tient, inspire et expire, inspire et expire. Garde bien les hanches face à toi, elles sont carrées, inspire et expire et reviens. Bravo, je me replace en face de vous. On va rester en fléchi ici et on va faire 1 et 2. D'abord, garde tes jambes fléchies et tu viens taper un genou, un pied. Garde genou fléchi, pardon. Tu tapes un pied et l'autre. On y va. On va en faire 10. Et 1 et 2 et 3. Reste fléchi. 4, 5, le buste est droit. 6, 7, 8, 9, 10 encore et 1. Et 2, baisse, et 3, et 4, fléchis un peu plus les genoux, 5, et 6,
et 7 et 8 et 9 et 10. Descends et 1 et 2. Là, tu peux fléchir un peu le buste devant. Et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Remontez 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Remonte un peu 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Relâche, inspire et expire. Ah, là, ça revient. C'est un petit peu cardio également. Ouh, ça fait du bien. On reste ici. On passe les pieds en V Pilates. Les genoux vont regarder vers l'extérieur. Ton bassin ici est neutre, c'est-à-dire courbure naturelle du bassin. Je suis comme ceci. Inspire. Et là, on va fléchir un petit peu. 1, 2, 3, et on va remonter. Et là, quand on remonte, on serre bien les fessiers. On engage aussi ses abdos. Le buste reste droit. Le buste se penche pas en avant. C'est comme si on avait deux parois en verre qui tenaient l'avant du corps et l'arrière et le dos. Donc, on reste, on frôle ces deux murs. On y va. Allez, on y va. Et 1, 2, 3, et remonte. On en fait 10. Et 1, 2, 3, remonte. Les genoux regardent bien vers l'extérieur. Serre tes fessiers. 1, 2, 3, remonte. C'est le deuxième. 1, 2, 3, remonte. Troisième. 1, 2, 3, remonte. Quatrième. 1, 2, 3, remonte. Cinquième. Et 1, 2, 3, et 6. Et 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. Serre fessiers à fond. 1, 2, 3, 10, et on reste ici. On peut mettre les mains comme ceci et on va faire des petits battements. Attention, creuse pas trop le bas du dos. À la limite, tu fais même une petite rétroversion du bassin ici. Et là, tu vas faire des petits et les genoux restent fléchis et regardent vers l'extérieur. Donc, bascule un petit peu ton bassin et on y va. 1, 2, 3, 4, avec le sourire. 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore et 1, 2, 3, engage aussi les abdos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, objectif bikini, on ne perd pas ça de vue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, encore une série, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reste et tiens, tiens statique. Tiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Je vous l'avais dit, en laissant les fessiers, ça commence. On ouvre les pieds, plus large que son bassin, toujours en ouverture. Les genoux vers le côté. Et on va descendre, toujours même consigne. Attention, presse. À la limite, rétroverse un petit peu ton bassin si tu veux, vers l'avant, tu pousses le pubis vers l'avant. Je ne veux pas avoir de dos trop creusé, parce que là, on prendra dans le bas du dos, au lieu de prendre dans les cuisses et les fessiers. Là, donc, bascule un petit peu ton bassin ici, hop, en avant. Et on va descendre toujours sur une même ligne. Et 1, 2, 3, c'est le même, mais avec les jambes ouvertes. Et on monte. Et 1, 2, 3, et on monte. Ok, je me replace. Attention, bascule un peu ton bassin, on y va. 1, 2, 3, et remonte. Et serre fessier quand tu remontes, engage tes abdos. 1, 2, 3, et remonte. 2, 1, 2, 3, remonte. 1, 2, 3, remonte. Essaie de débaisser un peu plus. 1, 2, 3, remonte. 1, 2, 3, remonte. 1, 2, 3, remonte. 1, 2, 3, remonte. Je dis que c'est 5. 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10, et reste, descend, descend un peu plus, reste, garde le dos bien plat, ici, et des petites pulsions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, encore, 1, 2, 3, 4,
9, 10, ça chauffe à fond. Et descends un peu plus, descends un peu plus. Reste et tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez. Et 10, c'est pour la bonne cause. Et relâche. Ouh. Et inspire, fléchis. Étends. Inspire. Étends. Inspire. Étends. Ok. Resserre doucement les jambes. Et on va faire une petite série pour relâcher un peu. Et passe d'un pied à l'autre. Garde le centre engagé. Et passe d'une demi-pointe. Et tu lèves. Et tu passes. Il y a une fille, celle qui étire le sommet du crâne vers le haut. On va passer en fente. Allez, objectif bikini, on n'oublie pas. Donc, on reste ici en fente, c'est-à-dire que sa cheville, elle est ici sous le genou. L'angle du genou devant est à 90 degrés. Ici, on va essayer de placer le genou sous sa hanche. Les deux jambes sont fléchies et on va faire des petites fentes, c'est-à-dire qu'on va descendre un peu plus. Ici, on garde bien les hanches en face. On va descendre un peu plus le genou vers le bas. Attention, le genou à l'avant, il n'est pas à l'avant du pied, il est vraiment au-dessus de la cheville. Engage tes abdos, on est les épaules basses et on regarde devant soi. On y va. 10, 1. Et tu remontes, mais tu ne tends pas. Tu descends vers le sol, la jambe derrière et tu remontes. Allez, on en fait 10. 1 et 2. Et 3, et 4, et 5, et 6, on sourit, ça aide, et 7, et 8, et 9, et 10, et on reste ici, on tend les bras, on tient, inspire, et expire, inspire, expire. Ouh là là, ça tire, ça tremble et tiens. Tiens. Et viens poser ici la main sur la jambe. Étends le dos. Et tire aussi. Essaie de poser le talon derrière. Étire le dos. Le dos est plat. Essaie d'avoir le dos plat. Inspire. Et expire. Pose les mains au sol ou garde les mains sur la cuisse. Et là, tu flexes la jambe devant et tu relâches le buste. Sur ta jambe devant. Inspire, expire. Fléchis la jambe. Ramène l'autre. Et déroule, relâche. Relâche un petit peu les cuisses. Et on va faire l'autre côté. Je me place de ce côté. Donc j'étais jambe devant. C'était la droite. Donc là, je mets la jambe gauche devant. Et je me replace toujours. Genou sous la cheville et ici le genou autant que faire se peut sous la hanche. Les hanches sont bien droites et on fléchit, on y va en 10 fois, on descend le genou vers le sol, on garde toujours la jambe derrière, fléchis les deux jambes de toute façon et on y va. Garde bien tes hanches en carré en face de toi. Engage tes abdos, ça va t'aider pour la posture. Et descends le genou derrière, tu peux décaler un peu ton genou. Inspire et remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus que 2, 9, 10 et reste ici et tiens. Tu mets les mains devant et tu tiens en statique. Ouh, ça tremble, allez! Engage, inspire, expire, souris, pense à ton super fessier pour la plage cet été. Amène les mains devant, tends les deux jambes, essaie de poser talon derrière, engage tes abdos, étire le dos devant toi. La tête est dans le prolongement du dos, inspire et expire, tu peux poser les mains. Ici au sol si tu veux, si ta souplesse le permet, et flex devant la jambe.
le pied et étire toute la chaîne arrière de ta jambe gauche. On vient de travailler parce que c'était la jambe de terre. Inspire, relâche ton buste sur ta jambe. Expire. Fléchis la jambe devant. Ramène l'autre pied. Inspire et déroule. Ouh, bravo. Là, je le sens. Vous pouvez boire un petit peu si vous le souhaitez. C'est bien de boire, d'oxygéner les muscles pendant l'exercice. On est ici, on va détendre un petit peu tous ces fessiers qu'on vient de travailler. Jambe gauche qui sera notre jambe de terre. On met pied droit devant, on ouvre ce genou et on descend. On peut tenir ici un peu le genou pour le tenir ouvert. Plus tu baisses le buste, tu fléchis la jambe de terre. Plus tu baisses le buste, plus ça étire ici la hanche fessier qu'on vient de travailler. Inspire et expire. Inspire et expire. Encore. Redresse-toi doucement et repose le pied. Et on va faire l'autre. Si c'est difficile pour toi pour l'équilibre, tu te tiens au mur, c'est pas grave. L'idée là, c'est d'avoir vraiment la position pour bien décompresser les hanches, les fessiers qu'on vient de travailler. Donc maintenant, c'est jambe droite qui sera jambe de terre, fléchis et amène ton pied gauche dessus. Amène main gauche sur ce genou pour le tenir bien ouvert. Inspire et penche un peu, fléchis un peu plus genou. Penche le buste vers tes genoux fléchis. Plus tu penches, plus ça étire ici le fessier. Inspire, expire. Tu le sens là, c'est ton corps. Tu laisses, tu relâches avec une respiration profonde. Et reviens. Délicatement repose le pied et on va passer au sol. Ok, on passe au sol à quatre pattes. On peut, si on a des petits soucis de genoux, plier un petit peu son tapis. Moi j'aime bien, c'est plus confortable, donc on peut faire ça. Je plie mon tapis et je viens placer mes genoux sur le tapis. On se replace, on pose. Donc, les genoux sont largeur du bassin, genoux sous chaque hanche. Les mains vont être au-dessus de tes épaules, toujours largeur d'épaule. La tête, elle ne va pas être relâchée. Les mains et les bras repoussent le sol. Ouvre ici tes omoplates, engage tes abdos qui vont t'aider à la position. Et là d'abord, tu vas lever ici la jambe et le genou va être au niveau de la hanche. Attention, tu ne décales pas ta hanche reste parallèle au sol, carré ici. Donc, tu as la jambe fléchie à 90 degrés. Attention, c'est les fessiers qui travaillent et ce n'est pas le bas du dos. Donc, si tu n'as pas les abdos engagés, tu vas prendre dans les lombaires. Et donc, ce n'est pas le but. Garde bien gainé ici tous tes abdos. Garde l'angle de ton genou, les hanches bien parallèles au sol. Et ici, tu ne relâches pas ta tête et tu vas lever légèrement, doucement. Le genou, ce n'est pas trop haut. Et là, on va travailler les hauts des fessiers. On y va. Et 1, 2, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, encore et 1, et 2, et 3, et 4, on garde le sourire, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reste ici, flex ton pied, et le même avec le pied flex, et 1, et 2, et 3, repousse le sol, 4, 5, engage l'abdos, 6, 7, 8, 9, 10, encore et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, 8, 9, 10, relâche. Repose ici le pied, le genou, étire le dos. Allez, j'ai pitié. On fait une petite pause. Inspire, expire et on se replace immédiatement. Allez, replace-toi. Et là, genou vient contre genou et puis il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir au niveau de la hanche et on descend. Et 1, et 2, 2 séries de 10. Et 3, et 4, et 5, lève bien le genou, 6, hauteur de hanche, 7, 8,
et 7 et 8, encore 2 et 9 et 10 et tiens, reste ici en statique et tiens, 1, 2, 3, 4, 5, allez j'ai pitié et repose le genou, allonge les bras, ouh, ça travaille, inspire et expire. Je vais me placer de l'autre côté, comme ça tu vois la jambe gauche qui travaille. Donc on se replace toujours, le même. Et d'abord tu lèves, attention, lève pas bassin, garde bien les pieds, les genoux, les hanches parallèles au sol. D'abord pieds pointés, et 1, et 2, et 3, et 4. C'est un tout petit mouvement, d'abord de genoux, travail de hanches et de fessiers. Prends pas dans le bas du dos en engageant tes abdos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et flex le pied. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, 8, 9, 10. Encore une série. Et 1, et 2, et 3, 4, 5. Repousse au sol. 7, 8, 9, 10. Et relâche. Bien posé. Allez, allonge le dos. Inspire, expire. Inspire, expire. Et on se replace. Allez, la dernière série. Et on va lever le genou sur le côté. Ici, on lève bien à hauteur de sa hanche. On y va. Inspire et expire. 1 et 2. Garde l'angle de ton genou également. Et c'est toute la cuisse ici qui se lève. Même le pied, et ça arrive à la hauteur de la hanche. Allez, on y va. 3, 4, 5. Lève bien. 6. On travaille ici pour la cellulite, la culotte de cheval. 7 et 8 et 9 et 10. Encore une série. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7. Et 8, et 9, et 10, et reste, et tiens 5 temps, et 1, et 2, ça tremble, 4, 5, 6, 7, et relâche, on en a fait 2 de plus, c'est pour bonne chance, et relâche, relâche, et tire les mains devant, relâche fessier, inspire, expire. Redresse-toi, replace ton tapis normalement. Hop, hop, hop. Ouh, ça a bien travaillé. On se replace sur le dos. Tranquille. On passe une jambe en tablette, mais pied droit sur genou gauche. Et viens attraper derrière jambe gauche. Étire genou vers toi. Inspire, expire. On étire le fessier, qu'on vient de travailler. Inspire, expire profondément. Tire, plus tu tires, plus ça étire fessier droit. Et change. Pied gauche sur genou droit, attrape derrière genou droit. Inspire, expire, tire genou à toi. Ok. Et on vient se placer ici. Allez, la dernière série. Pour la bonne cause, on n'oublie pas objectif bikini. Des fessiers en béton, c'est pour nous. Yes, on est fort. Alors, on serre les pieds, on serre les genoux, on serre les cuisses. Donc, on a bien les jambes serrées. On ramène un petit peu les pieds vers les fessiers. On se place ici, la nuque est libre, les mains et les bras sont le long du corps, ça va t'aider. On va faire d'abord, on va monter le bassin, on ne va pas dérouler la colonne, cette fois-ci on va monter en un temps et pas trop haut, juste ici, et on descend en un bloc. Donc il n'y a pas de déroulement de colonne, ce n'est pas un bridge, c'est un bridge, si vous voulez, un moitié bridge, sur un plan. On y va et on serre aussi des bras. Le poids du corps, il va être sur les épaules et pas sur la nuque ni sur la tête. On y va, on engage ses abdos, on serre ses fessiers. Et 1,
et descends, mais sans poser le sol, à peine. Là, je peux mettre ma main entre mes fessiers et le sol, et tu montes et tu serres en même temps. Tu serres l'intérieur de tes cuisses et tu serres aussi fessiers et abdos. Et descends, mais sans toucher le sol, et monte. Et serre. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Reste ici. On est à moitié, on n'est pas tout à fait en haut. Et des petits. 1, 2, 3, 4. De bassin, mouvement de bassin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on reprend. Descends sans toucher le sol et monte. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et serre les cuisses, serre les fessiers. 7, et 8, et 9, et 10. Reste ici, petit. Et 1, et 2, et 3, et 4. Serre l'intérieur des cuisses, serre fessiers. 7, et 8, et 9, et 10. On reprend une série. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, reste ici, serre, 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 petit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, absorbe ton périnée, 7, 8, 9, 10, et reste, et tiens, et déroule. Ouh, bravo, ça chauffe, hein, moi je les sens, hein, les cuisses, hein. Vous devez les sentir également à la maison. Allez, on garde le sourire, smile, c'est pour la bonne cause, c'est pour des fessiers en béton. Et allez, on remonte, le dernier, et le bouquet final pour la fin, inspire, et monte, 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 et là cette fois-ci, tu vas être sur une même ligne, épaules, bassin, genoux, tu montes un peu plus, et là tu tends, tu gardes les deux genoux collés, tu tends, si c'est difficile, tu restes ici et tu tiens, sinon tu tends, et tu tiens, 1, 2, 3, garde bien les hanches, parallèle au plafond, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et descends pas, et tu tends l'autre, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, tire bassin vers les genoux, 7, 8, 9, 10, reste ici, et ramène un peu les pieds vers fessiers, et là tu passes demi-pointe, et tu reposes, et 1, et 2, et serre les cuisses, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, reste ici petit, et 1, et 2, et 3, en demi-pointe, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore, et pose talon, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, reste ici, petit battement, et 1, demi-pointe, et battement de bassin, 1, et 2, et 3, et 4, encore un dernier, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est en feu, et descends talon, et 1, et 2, et 3, et 4, engage, et 5, et 6, et 7, 8, 9, 10, reste et battement, petit battement de bassin, allez, 1, le dernier, 2, 3, et serre là, les fesses, et serre les cuisses, et 1, et 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et tiens, 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 statique, et tiens, serre les cuisses, ça tremble, allez, on tient, et relâche, ouh, et tire. Une jambe à toi, tends l'autre jambe. Inspire, tire genou à toi. Et expire, relâche. Inspire, tire genou à toi. Expire, relâche. Encore. Inspire, tire genou à toi. Expire, relâche. Et tends cette jambe. Ramène l'autre jambe fléchie au bus. Inspire et à l'expire, tire genou vers toi. Et relâche. Expire. Inspire, relâche. Expire. Encore. Ramène les deux jambes en tablette. Inspire et on revient ici. Bois un petit peu. On vient étirer maintenant
cette cuisse qu'on a bien travaillée. Donc tu es ici, jambe tendue. Là, c'est ma jambe droite qui est ramenée vers le buste et avec le bras opposé. Donc jambe droite, c'est un coude gauche qui vient tirer le genou à toi. La main droite, elle est derrière, le dos est plat. Et je pousse avec la main droite derrière, j'engage mes abdos et j'ai une rotation de buste. La jambe tendue, le pied flex et tu regardes derrière toi et tu étires là le genou vers ta poitrine. Ça étire ici tout le fessier, toute la cuisse qu'on a bien travaillée. Inspire, expire. Et dans l'autre sens, tends jambe droite, fléchis jambe gauche, ramène. Donc jambe gauche, c'est coude droit qui vient attraper genou vers la poitrine. La main derrière est tendue et pousse le dos est plat. Pousse ici le genou vers ta poitrine et tu es en rotation, tu regardes derrière toi vers la gauche. Inspire, expire. Ok, je vous remercie, le cours est fini, je pense que vous les sentez, en tout cas moi je les sens, c'est efficace, si vous voulez du travail, avoir des cuisses, des fessiers fuselés, je vous conseille de faire ces exercices régulièrement. La séance a été un petit peu intense, si vous le souhaitez vous pouvez coupler ce cours avec le cours de stretching que j'ai proposé. Ce sera une parfaite séance, donc un peu cardio, un petit peu physique, athlétique, la première pour les fessiers et la deuxième pour se relaxer, pour détendre tout ça. N'oubliez pas de boire profondément, respirez profondément, boire abondamment et ce sera bénéfique pour tout votre corps. Et vous aurez un super bikini, je vous l'assure, pour cet été. Je vous remercie encore à tous pour vos petits mots, pour vos soutiens. N'hésitez pas à me laisser des messages. Je vous réponds à chaque fois. Merci de partager aussi le contenu si ça vous plaît auprès de vos amis. Parlez-en. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, je vous dis à très, très vite en pleine forme. Merci beaucoup. À bientôt.